Yoga bonjour, yoga bonsoir à tout frère accès compatriotes qui connectent tout partout dans le monde là. Nami quoi c'est frère nous amis nous merci Dieu. C'est un immense et réel plaisir pour me capable ensemble avec nous. M'a remercier nous pour si pour nous pour collaboration. Merci ou fait choix de nous pour capable informer et merci pour fidélité ou avec patience. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi Radio Vision 2000. Samedi 7 janvier 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le dernier sorti journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais qu'est-ce qu'on a point nous pas développer dans le journal ça. Jean-René Petit Frère alias Sexy Joe qui s'est kibodi ce groupe disciple bandit kidnappé à vendredi matin sur route Matissan, jeune libération quelques temps après. Jusqu'on y a nous pas connaît si bandit libéré pour l'argent. La police touillé Pierre-Louis Jeune, ayant présumé bandit avant hier jeudi à dans Chambellan, département Gandas paysan. PNH dans la région a présenté individuant comme membre gang qui a opéré dans la zone pour la Fito qui n'a rentré dans la capitale. Ministre des Affaires étrangères pays Canada et États-Unis, Anthony Blinken et Mélanie Joly, s'est parlé jeudi passé sur la situation pays d'Haïtien. Discussion a été faite parmi l'autre support pour PNH là avec effort qui visait joindre une solution à la crise qui a saccagé pays. Conseil supérieur pouvoir judiciaire doit publier dans pas trop longtemps liste magistrat certifié avec ça qui pas certifié. Commission certification déjà remettre CSPJ rapport li d'après président association magistrat haïtien Jean-Wilner Morin qui fait qu'on y a c'est pour la responsabilité conseil ministériel pour nommer juge pour aller dans poste qui vide dans la cour cassation. Ministère agriculture présenté et puis lancé à vendredi à un sous-programme sectoriel dans sécurité alimentaire dans le local Lidamien en présence parmi l'autre premier ministre Ariel Henry. Ministre agriculture a prédit Charlot dénoncer l'argent l'État haïtien bail qui pacifie pour secteur agricole là fonctionner. Ariel Henry, bon côté parle, fait connaître l'État doué bail tête garanti pour faciliter population à joindre bon j'en manger à qui on se calcobe. Il demande à l'agence humanitaire yo pour supporter production nationale là dans bail agriculture aux outils et intrants agricoles. Le ministre Yon Lotbo critiqué entreprise qui profite de la situation de sécurité pays avec augmentation prix gaz là pour faire un pile l'argent. Un groupe professeur dans le programme l'école communautaire fermée à Yévredi en bureau direction départementale Grand Anstan pour exiger l'État pays deux ans de travail sans toucher. Et le prochain tour pour développement pour ça. Encore un bonsoir pour nous toutes pour présenter au journal ça Harry Junior Désir a fait mon œuvre technique puis Namikwa c'est Léon Kerr Civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Jordani Petit Frère alias Sexy Joe qui sait qui bandit ce groupe disciple bandit et kidnappé à vendredi matin sur route Matissan jeune libération quelques temps après. Mais jusqu'à n'a parlé là nous pas connaît si bandit ou libéré pour l'argent. Sexy Joe t'a rentré dans la capitale là avec l'autre collègue musicien pareil lio pour être absorbé dans le département sud pays. C'est les ça bandit qui a fait ça ouvrir dans la troisième circonscription pour le président et kidnappé qu'on y a là les jeunes libération là seulement quelques temps après. Bientôt la police qui touillait Pierre-Louis Jeune, yon présumé bandit avant hier jeudi dans Chambellan, département Grand Anse paysan. PNH dans la région a présenté individu comme membre gang qui a opéré dans la zone Port Lafito dans rentrée nord capitale là, Jean-Garry Joseph. Pierre-Louis Jeune, c'est nous, yon présumé bandit la police dit, litouillé dans la commune Chambellan, précisément dans la localité Gili, la soirée jeudi 5 privé, vendredi 6 janvier 2023. Autorité policière fait qu'on est, moun ki mouyen fait partie yon groupe gang de 4 qui sorti la Fito, la capitale haïtienne, qui a rançonné paysans presque chaque jour. N'a pas appelé commune Chambellan, réputé pour zone qui gagne plus présumé bandit dans le département Grand Anse qui pas jamais chômé. En tout cas, responsable la police en région Grand Anse dit déterminé pour couper tout un présumé assassin gang qui voulait semer la toubaille dans la région. Depuis Jérémy, Jean-Gay Joseph,
Vision demain. Merci Jean-Garry Joseph. Alors que le pays d'Haïti a pris une décision Conseil de sécurité à Sito, États-Unis et Canada, concernant peut avoir en Haïti une force intervention rapide pour aider à résoudre le problème de sécurité. Ancien ministre délégué qui est chargé de questions électorales, Mathias Pierre, par pensée internationale, n'a pas accepté de voyer militaire dans le pays d'Haïti. D'après Mathias Pierre, l'autorité haïtienne doit demander aide à côté des États-Unis pour aider et camper le commerce d'armes avec balles et sous frontières et puis renforcer PNH là pour et puis pour bien traiter policiers yo en côté Mathias Pierre qui t'a répondu Marie-Lucie Bonamopon. Regardez géopolitique mondiale là, on voit que c'est presque impossible pour que vous gagnez une force étrangère d'appuyer déjà. Parce que au niveau de l'ONU, discuter, les États-Unis, le Canada, et tout le monde dit ouvrir le good. Mais pour qui ça n'a pas fait? Pas de monde qui veut prendre leadership. Parce que prendre leadership, il veut dire, pour diriger, pour financer et pour venir mener soldats. Qui sont les souterrains? Ou bien souterrains des forces, des forces illégitimes, illégales, qui ont des armes dans les mains, ce n'est pas une armée régulière. Est-ce qu'on va mettre une force armée régulière pour affronter eux? Comment on va l'affronter dans les quartiers populaires? Et toute victime qui causait pour un débâcle et être capable de tourner contre le pays. La majorité des pays et qui ont des dans le monde aujourd'hui, il y a des grands problèmes. Il n'y a pas qu'à convaincre la population de la caillou qu'il va prendre l'argent taxe. La caillou, pendant qu'il y a un problème la caillou, pour voir les soldats viennent mourir à Haïti. C'est ça que je vous ai toujours dit que pour adresser cette question sécuritaire, il y a trois éléments fondamentaux. C'est une négociation avec le gouvernement américain qui pour permettre des armes, munitions, cap sorti des États-Unis pour rentrer à Haïti, pour yo essayer de bloquer yo, et certainement nous capables de dire qu'un gros pas qui fait dans le cadre de bagaille ça, parce que si vous avez un contrôle frontière, mer et terre, vous êtes capable d'empêcher de bloquer les armes qui rentrent dans le pays. Et force sécurité interne, à savoir la police nationale, élite sécurité de la police nationale, il y a capable de très souvent si monsieur a fait des opérations, il y a des capacités pour faire des opérations. Dans le temps d'opération, il y a des problèmes de munitions, il y a des problèmes de tank. Ce n'est pas un petit tank, un petit tank qui a commandé là qui peut résoudre ce problème-là. Ou besoin de des forces spécialisées qui vous permettent bien équipement et moyens en main qui pour tacler le problème de banditisme. Troisième élément, dans la police. Là. Regardez ça à payer, monsieur, au niveau risque à demander. Bon problème. Et me pensez que, je vous dis, il faut que le gouvernement garde comment nous a déclaré qu'on sorte d'état d'urgence sécurité qui pour permettre capable de jouer un fonds pour faire de meilleurs traitements à policiers, pour que soient capables d'encourager, pour que le travail paye, etc. Mais en plus, gagner des fonds qui débloquent pour l'intelligence, parce que pas gagner opération policière sans intelligence et pour faire intelligence, il faut gagner moins. Le plus gros problème là, il y a au fait que gagner une volonté pour bloquer, que gagner une force armée en Haïti. Équipé. Au niveau de forces étrangères, là, moi pensais que ces informations que moi-même j'ai disposé, ou après que jusqu'à présent, pas gagné en résolution Conseil de sécurité clair sauté sous question ça. Deuxième bagaille qui gagne, c'est que ou est que gagné des différentes discussions, des différentes avancées qui fait, dans le moment crise là, c'est aigu, au moment nous t'es bloqué dans le pays l'autre pas de café, malgré que le gouvernement haïtien fait des demandes formelles ou pas jamais gagné, on pas qui fait réel. Mettons en place pays étrangers, dans les États-Unis, ou tiens qu'il y a bien le propre crise là. Voilà, t'as écouté déclaration Mathias Pierre, ministre américain à canadien affaires étrangères Anthony Blinken avec Mélanie Joly. Je t'ai parlé jeudi passé à situation pays d'Haïti. Discussion était faite sous parmi l'autre si pour yota de bay PNH là et puis effort pour viser joindre une solution avec crise cap saccagé pays a d'après un communiqué porte-parole département d'État américain Ned Price, secrétaire d'État, secrétaire a réaffirmé engagement États-Unis et pour renforcer capacité police nationale d'Haïti. Et puis bayon aide humanitaire et puis supporter un accord haïtien ou de rejoindre d'après communiqué. Ancien député Keskofla Alfredo Antoine lance un appel bon côté secteur dans la vie nationale là pour prendre conscience dans l'idée pour arriver joindre un vrai accord politique pour capable porter solution avec gros crise plusieurs dimensions cap saccager pays. Pendant la préagir sur accord 21 décembre ancien parlementaire fait remarquer et gagner un gros gain en pile monde qui signe accord ça c'était monde qui était déjà dans accord et
septembre 2021, septembre 2021 avec le ministre Ariel Henry en côté Alfredo Antoine. Toute force vive nation a dû prendre conscience dans quelle situation que population a vive, problème de sécurité, tout ça, pour que arrive joindre un accord autour de désaccord. Yo pas besoin gagner un accord vraiment que tout le monde retrouver la donne à 100%. Mais sur le minimum, question qui est capable de faire pays à reprendre vie politique pour que l'institution retourne à fonctionner, question pour nous remonter l'institution, pour nous aller vers sécurité d'abord et ensuite les élections qui pourraient avoir des autorités légitimes et légales qui sont capables d'engager le pays. Ça. Démocratie veut dire institution. Donc depuis l'institution n'a pas existé, ou pas fonctionner, ou pas capable de parler de démocratie. Moi, je pense que la population, hein, les forces vives de la nation, l'élite de ce pays, s'il existait encore, donc pour prendre conscience, pour que y arrive à joindre un accord autour de des accords, un accord que ou joindre que majorité monde qui alors institution qui représentatif yo yo participer dans un accord politique qui a permettre que le pays a retourné sur rail démocratique pour fonctionner. Pendant plusieurs fois parlé ou plaidé en faveur pour gagner un accord qui joigne, mais ça gagne environ 2 semaines depuis gagner un accord qui signe 21 décembre passé entre le ministre Ariel Henry et quelques secteurs dans la vie nationale, en tant que secteur privé, société civile et puis secteur politique. Accord qui joigne, son accord qui parti son base déjà qui faussé parce que c'est la majorité de monde qui était là dans l'accord 11 septembre qui était allé, qui retournait. Depuis qu'on fait accord, c'est accord pour poste, les gens qui ont besoin de poste, qui pourra participer dans le nouveau gouvernement, qui ont besoin de direction générale, qui signe pour le ministère. Donc, on peut avoir accord. On a besoin d'un accord côté que la majorité de monde qui a signé un accord, ça, d'ailleurs, nous avons fait au gouvernement que c'est des technocrates qui la donnent, que parti politique par un représentant dans gouvernement remaniement ou bien nouveau gouvernement que bra le faire. OK? Donc l'homme on fait accord pour poste, on prend moi ouais de directeur général cap signer avec non parti politique, mais le signer parce que le besoin qu'un poste là. OK? Donc l'on fait accord pour poste, ça c'est pas un accord qui est inclusif que population, que société. Et nous avons dit force vive nation à pour représenter la donne. OK, c'est un accord de 10 ans, un accord coquin qui fait sous base intérêt mesquin, mais ce n'est pas pays à prioriser. Ancien ministre délégué qui était chargé question électorale sur l'administration Jovenel Moïse Lamathias Pierre, d'accord avec la déclaration du ministre Ariel Henry qui fait qu'on est année 2023, c'est pas une année pour organiser l'élection dans le pays. Cependant, il souligne la nécessité pour gagner un gros consensus qui joigne, qui a gagné toute force vive nation pour permettre le pays à retourner sous la route de démocratie. En côté Mathias Pierre, dans le micro, Marie-Lucie Bonhomme. Qui sort bien la route, c'est que vous gagnez la constitution haïtienne 1987 amendée, qui baille guide sous Jean Péia, et même les deux dirigeants. Depuis la mort du 7 juillet 2021 du président Jovenel Moïse, nous sommes capables de dire ou sorti en presque de l'ordre démocratique, ou t'es gagné un parlement qui vous dit à d'ici quelques jours, même un tiers sénat existait techniquement pas existé, donc on n'a pas gagné parlement. Cour de cassation c'est presque pas existé en tant que deuxième pouvoir. Pouvoir exécutif là, depuis près de 17-18 mois, pas gagné président de la République dans le pays. Ça veut dire que bon, ensemble de bagailles pour faire, c'est difficile pour entamer, à moins que vous tombez dans le consensus. Mais tout consensus, c'est le consensus qui va prendre qui ça. Les celles qui sont retenues dans la Constitution, c'est l'article 141 qui dit que c'est le premier ministre là qui n'a tête gouvernement, reste ministre, qui pour prendre des décisions. Mais qui sa constitution a débat et au droit pour faire, il dit au cap de faire élection pour que nous retournions dans l'ordre démocratique. Document de consensus national là, qui ont effort qui fait pour sortir en un accord uniquement politique. Parce que le problème actuel du pays n'est pas uniquement politique. Le problème est politique, mais le problème est aussi économique et social. Il faut impliquer toute force vive nation en dans sa capacité là qui pour aller de l'avant. Et il faut qu'il y ait une élection qui fait et dans l'année 2023, donc nous en janvier, nous avons 12 mois qui pour permettre nous finaliser l'élection et 7 février 2024 pour que le président qui rentre en fonction. Il y en a un gros problème qui a rongé Haïti aujourd'hui,
c'est la question de la méfiance généralisée. N'est pas fait, n'est confiance. Vous venez gagner effectivement des différents secteurs qui non seulement peuvent disparaître avec éventuellement entrer en ancien Atiwakoa, mais tu as aimé qu'on ait qui ça tous les là-dedans. Donc je dis parce que le chef gouvernement gagne une grande responsabilité. On réveille cap son en pied nous là, pays à tête en bas. Je dis pas gagner l'autre route que retourner dans l'autre démocratie. À savoir, compétition politique, compétition économique, élection au niveau politique qui pour permettre moun qui pour arriver dans tête pays ou pour gagner légitimité, faut que ces peuples-là qui, avec un bulletin de vote qui décide, ça a l'issue priorité et c'est ça que deux priorités pays à voter et à l'État. Et deuxième élément, c'est compétition économique. Je veux dire, c'est pas tête moins pour moi. Comme président d'Haïti, faut que c'est moins que à quoi ça va être. Voilà, on tape côté déclaration Mathias Pierre, Rassemblement social-démocrate pour progrès d'Haïti, plaidé en faveur d'un mouvement patriotique positif qui a la donne, citoyen conséquent dans le pays, dans l'idée pour capable de camper et crise cap saccager PIA. Représentant officiel RSDA Victor Benoît, encouragé acteurs pour travailler dans l'idée pour résoudre problèmes socio-économiques, politiques et sécurité PIA à confronter depuis bien longtemps. En côté Victor Benoît. Année 2022, la situation d'Haïti était devenue une situation catastrophique sur le plan économique. Pendant l'année 2022, nous notons que, d'après ça, HSI Dino, l'Institut de statistiques là, nous ça fait 4 ans et pour produit intérieur brut PIA, n'est-ce pas, disons, les bails, on chiffre, n'est-ce pas, négatif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que production agricole n'est pas bon, n'a pas investissement dans l'industrie, tourisme pas entré, et déficit commercial là a renforcé. Donc sur le plan économique, c'est la catastrophe. Sur le plan social, nous voyons que c'est la vie chère, prix gasoline qui a augmenté, bon pas même carré de gasoline. C'est une extrême pauvreté qui vient d'un pays. Donc son pays, d'accord, dit qu'il y a une situation d'urgence humanitaire. C'est ça qui explique qu'on paquet de monde, l'ODA, tombé jusqu'en Turquie, d'autant de la de début ADA, où on a dit que Bot People recommençait, on prend plus d'une centaine dans zone Bahami, où on a dit que plus de 200 dans zone Turquie-Caïcos. Donc c'est le désarroi. Comment du renforcement de la délinquance, du banditisme en deux pays, le phénomène migratoire là a pas accentué. Donc nous avons dit sur le plan social, nous pas bon. Mais nous perdons confiance en pays. Sur le plan politique, donc son pays qui est très mal géré, bon, nous pas dit que mauvaise gestion a commencé seulement avec le gouvernement ça, souvent analyse pas nous. Nous pensons que depuis les 15 dernières années, c'est que Haïti est fort mal géré. Fort mal géré parce que nous n'avons jamais mis au centre de la gestion du pays l'intérêt de la patrie. Tout le groupe qui vient, il y a 5 vidéos qui ont défendu l'intérêt nègre, il y a 5 vidéos qui ont défendu l'intérêt basse, qui ont défendu l'intérêt type peuple, etc. Mais tous les mêmes peuples-là, soit c'est piller la caisse publique, c'est fait dictature. Donc, vous allez dire, à quelques exceptions près, n'est-ce pas, son politique clanique qui menait, il va quand même une politique en faveur de la patrie. Alors, je dis à nous dire qu'il est temps pour nous dire, oh là, nous dire qu'il est temps pour que nous lançons un mot d'ordre de patriotisme positif. Patriotisme positif, ça veut dire que nous dit, mon cap du GPIA et tous les autres patriotes hein, qui sont intéressés à PIA, ils ont fait ou dit, mon cher, n'a pas été à l'avant l'intérêt de la patrie. Le jour où l'intérêt de la patrie devant, vous dites Haïti au-dessus de tout, à ce moment, on a besoin de ligne pour capable de commencer gourmet pour changer Haïti. Au seuil de ce nouvel an, nous pas dit bonne année, mais de du peuple à bon combat. Hein, c'est un gourmet pour nous. L'autre nouvelle, Conseil supérieur pouvoir judiciaire doit publier dans pas trop longtemps un nouveau liste magistrat certifié à sac pas certifié. Commission technique certification déjà remettre CSPJ rapport dans son ça d'après président Association nationale magistrat haïtien yo Jean-Wilner Morin qui est dans le micro Dominique Jean-Baptiste. La certification des magistrats, il prévoit dans la loi de 2007 portant création du CSPJ et particulièrement la loi de 2007 sur la magistrature. Loi ça, il dit très exactement que tout magistrat qui a porté le système non, il doit certifier eux. L'autre sac là déjà, il doit certifier eux pour capable harmoniser la magistrature. Maintenant, il y a plusieurs listes de magistrats eux-mêmes qui certifient déjà, mais ce n'est pas suffisant par rapport au nombre de magistrats qui gagnent. Mais actuellement, il y a une liste de magistrats. Le centre technique
chaîne de certification que les CTCA, il est déjà soumis par le conseil là un lot de dossiers et conseil là gagné dans jour qu'a venir là pour capable tabler sur lui en conseil pour capable sortir une nouvelle liste. Moi quoi en mois de janvier là une nouvelle liste de magistrats qu'a sorti, magistrats qui certifiés et non certifiés. C'est pas au presse seulement ça concerne, il concerne toute juridiction net, les 18 juridictions et les cours. Dernier lot que Yobay là sont lots qui envoisinaient les 100 dossiers. Donc 100 dossiers A, c'est sûrement rejoint un pourcentage d'ADN qui est certifié et un pourcentage qui est non certifié. Yon lot bon numéro 1 Anama a fait connait il sait quoi le connia c'est joué par conseil ministériel pour nommer juge pour le combler poste qui vide dans la cour cassation CSPJ déjà transmettre liste candidat yo déjà en côté l'autre fois encore juge Jean-Oulner Morin. La cour de cassation est dysfonctionnelle depuis plusieurs mois et il était déjà en crise depuis avant l'assassinat du président de la République. Nous trouvons dans une situation je dis à que la cour gagne seulement 3 juges qui un mandat au niveau de la cour. Et parmi ces 3 juges, le conseil des ministres fait que ce nommé là, il y a un juge comme président de la cour, c'est le juge Jean-Joseph Lebrun. Le CSPJ, il travaille son liste que le proposé par le conseil des ministres. Qui n'est pas abusé, c'est que liste là allait déjà jeune conseil des ministres. Et le conseil des ministres a gagné pour choisir parmi les noms des magistrats qui étaient candidatés, qui étaient postulés pour être capables de venir juge à la cour de cassation. Il a gagné pour choisir là-dedans et puis pour nous capables de nommer de manière pour nous rendre fonctionnelle la cour de cassation qui dysfonctionnelle depuis plusieurs années. Pendant que le CSPJ a fait son travail, maintenant il était à l'exécutif de faire son travail. Le CSPJ, en l'absence du Sénat, était obligé lui-même de faire la proposition des noms au Conseil des ministres. Maintenant c'est le Conseil des ministres qui peut décider qui est-ce qui prend sous liste à proposer et qui ne laisse pas prendre. Maintenant la liste a été acheminée et s'il va acheminer déjà, il est en train d'être acheminé au Conseil des ministres pour les suites nécessaires. Voilà, on t'a côté déclaration et président de l'Association nationale.